Allez, salut tout le monde, ici Yaderwan et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de La Malédiction des 8 Royaumes, l'épisode 7. Donc nous reprenons, hop, tac, Play Select World. Et nous voilà, donc on était tombé dans le trou de cet escalier. Hop, 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 voilà, sauver le monde, on va aller au château du roi. Donc je suppose, sans passer par la case visite. Je ne sais rien à propos de cette voir ailleurs. Bon, on va pas visiter. Normalement, je me suis fait arrêter. Propriété de Liam. Ah, tiens. On va aller direct vers le château mine sombre côte. Ok. Entrée port château. Forge château, ça doit être ça, l'entrée du château. Prince Welcome, Albuir. Bon sang, relâchez-le. C'est le prince Algar. Garde, retournez à la caserne et restez-y. Pardonnez-nous pour le dérangement. Entrez, je dois vous parler. Prince Welcome, ce matin le bloc de diamant a été volé. Je crois que l'intrus a pénétré la tour de l'artefact. Pourriez-vous enquêter sur les choses, mais tout d'abord je dois pouvoir vous faire confiance. Retrouvez mon home de guerre qui m'a été dérobé lors de la guerre des royaumes. Retrouvez le navire pillard. Les villageois en sauront sûrement plus sur le sujet. Retrouvez-le et mon bloc sera à vous. Ok. Bon, c'est parti pour de l'investigation. Où est le casque? On va commencer par la forge, hein. C'est juste à côté. J'ai peur que ça me tire dessus. Oh, ça, tu peux me le tirer dessus, ça ne te dérange pas. Moi je fouille, après je pose des questions. Excusez-moi, j'ai un petit problème, je t'explique. Ma pioche en fer est restée dans ma maison à cratère. Pourrais-tu me la rapporter? Je donnerai deux lapis de vie en échange. Ok. De toute façon, je crois qu'il faut que je retourne à cratère. Boulangerie générale. J'espère qu'ils n'ont pas touché aux bijoux de mon père. J'ai pas touché aux bijoux de ton père, en tout cas. Entrepôt vide. C'est sadique de mettre des fours hein, comme ça. Je suis sûr qu'il y a forcément quelque chose de caché. Tiens, hop, une potion. Ah, moi je suis comme ça, je fouille. Un lapis. Je l'ai fait. Un gâteau. The cake is a lie. Ah. J'ai crugé direct. En effet, tout a été volé. Espérons retrouver le fragment. Espérons retrouver un fragment du lingot d'or. C'est bon, je l'ai. Bon. Pas grand chose d'autre à faire. Oh gosh, c'est fini. Auberge. Allons à l'auberge. Si jamais vous voyez que je loupe des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, il est fini, on va dormir. Évitez qu'il y ait trop de pop de monstres.
rien, ça grimpe toujours. Appuyez pour mettre la nuit, ok. Mon under chest. Tac. Ça se cumule pas, toutes ces saloperies. Ça, je peux cumuler. Ça, aussi. Hop. Une place incommensurable, c'est pas grave. Tac 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 tac, on redescend. Allons continuer notre investigation. Ah, mais il y a quelque chose là-haut. Oh oui, il y a un coffre. Ah, un œil fermenté. Oh, un bateau. Des pilleurs. Non, ça me dit rien. Mais peut-être qu'un peu de lapis pourrait me rafraîchir la mémoire. Rejoignez-moi dans ma cabine. Non, mais il a cru que j'allais lui donner mon lapis. Alors ça, une échelle ici. Il y a forcément un coffre à aller chercher. J'ai dit forcément. J'ai dit un coffre. Donnez-moi un coffre. Non. Ah si, il y a un coffre. C'est obligé. Ouh, une pomme en or et une épée en or. Ça, c'est bon. Par où redescendre sans se faire trop de dégâts. Par là. Aïe, aïe. Déposer le lapis. Déposer un lapis. Non mais je vais pas donner mon lapis. On va faire vraiment. Nous avons compte à régler. Je ne vais pas donner mon lapis. Vous avez rêvé. Qu'est-ce que j'ai de bleu que je peux lui donner? Tiens, je vais lui donner l'œil fermenté. Mais je vais pas donner mon lapis, non mais. À mon avis, si on me donne, c'est que j'en avoir besoin. Ah, ça marche bien avec ça aussi. Les pirates nuages. Attends, ils ont pris mon trésor. Si vous voulez, oui, vainqueur, je vous laisse mon trésor. N'emportez rien sur vous quand vous partirez. Hein, what? Je manque pas les. Les pirates, le nuage, ça fait si longtemps. Ils ont pris mon trésor, si vous... Ok, je vous laisserai mon trésor. N'importe rien sur vous pendant... avant de partir. Partir où, comment? J'ai rien compris, les petits amis. Je peux partir tout de suite. Alors, on a quoi ici? Taverne du matelot ivre. Ok. Ah, du gâteau, c'est très gentil. Oh, petit bug de chargement. Alors, ça arrive ce rhum ou pas? Potion de poison. Vin blanc, vin rouge, whisky, hydromel, rhum. Les awards.
activer la clé. Oui, bah c'était pour activer ça. Moi, j'ai pas de clé. Moi. Je suis un sans gêne. Je fais comme bon me semble. Tu sais quoi? Hop, je récupère même les overarts. Je suis comme ça. Je suis un. Un quoi? Un fourbe. Ne partez à la recherche du navire pillard seulement si vous connaissez le placement exact du navire sur votre carte. N'importe rien du tout, déposez votre équipement à l'auberge et partez en bateau. Location d'embarquement gratuite. C'était l'honneur de vous accueillir sur la dorée. Y'a rien. Allez, on retente notre chance. Un autre coffre ou pas, à votre avis? Moi, je dis qu'il y a un autre coffre quelque part. C'est obligatoire. Allez, faites pas mentir. Je sais qu'il y a des coffres. Mais bah, y a pas de coffre. Il n'y a point de coffre sur ce navire. Nous sommes prêts à embarquer tout votre or. Allez, posez notre potato, je vous les laisse, je vous pique votre poisson. Allez, je vous laisse vos patates pourries, hein. Ne m'en veuillez pas. Alors, les quartiers de l'équipage. Ok, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien à piller. Saligo. Bon, il y a des barques gratuites pour quand j'aurai trouvé l'emplacement. Cimetière du royaume, accès depuis la cathédrale. Au cimetière, les cimetières, il y a toujours... épicerie. Il y a toujours des cadeaux à trouver. Les pommes, les melons, les biscuits. C'est le cœur de l'arbre manana de Syrah. C'est un magnifique fruit, n'est-ce pas? Je vous le donne en échange d'un lingot d'or. C'est cher. Steak, côtelette, poulet, poisson, œuf. Ça, de toute façon j'en ai besoin, je te le redonnerai un jour, si j'y pense. La mine, on va pas aller à la mine tout de suite. La cathédrale. Oh, mais... du pain et le vin. Prenez et mangez-en tous. Je le fais. Allez, cool, x 3. Dit le cool filou 5559. J'ai envie de fouiller. C'est pas bien ce que je fais. Flopper de Saint-Manitou. Désolé, mais je suis comme ça. Je fouille, parce qu'il y a souvent des cadeaux dans les... Regardez. C'était pas un cadeau, ça. En noix de pécan, dit le hamster, c'était pas un cadeau, c'était un spawner. Du Gérois 159, dit le nain numéro 2. Et le nain 21, dit le nain. Je me souviens avoir laissé un bijou sur le clocher de l'église avec lui, c'était mon époux.
Ah, celles-ci sont vides. Prêtes à accueillir quelqu'un. Ok, clocher. Alors ça, est-ce que c'est les blocs que je peux casser? Non, je pense pas. J'ai toujours un doute. Clocher de l'église. Ça c'est un muret, j'ai le droit. Si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Allez, on va retourner à l'auberge pour vider toutes les saloperies que j'ai pu récupérer. Et mon Dieu, j'en ai récupéré. Alors ça. C'est de la bouffe. Ça, je vais mettre de côté. Ça. Pas besoin d'avoir 30 milliards de bouffe sur moi. J'en ai déjà bien assez. Comme ça. Passer à manger le pain en premier. Allez, il fait nuit. Je vais faire dodo. J'avais pas vu celui-là, mais il n'y a rien dedans. Bon, paraît-il qu'en haut de l'église. Se cache un. Cadeau. Bon, maison de Pranhout. Du poisson, merci pour le poisson. Ça, je prends. Hop, on va faire un pain. Un pain. C'est la clé du de caverne. Ok. Des pommes. Ça. Une épée, je prends. Parce que c'est la tèche, les épées. Ce seigneur, il m'a encore volé mon rhum. Il doit traîner à la taverne du Mato. Si vous trouvez un moyen d'empoisonner sa chope, je saurai vous récompenser. La chimiste pourra vous aider. Tonodrome. Ok, donc ça m'avait donné quoi, je sais. Ah oui, la Netherrath. Je ne suis qu'une pauvre vieille dame, je ne sais rien à propos de vos sonnets pirates. Allez voir ailleurs. Pirate. Oh, il y en a qui... C'est fermé ça. C'est pas gentil. Ouais. Comment grimper sur ce... Alors, il manque une dalle pour grimper. Grimper sur ce foutu toit, on avait passé par l'autre côté. Arriver à grimper de maison en maison. Tant d'axes, parce que là c'est pas possible. Bon, tant pis. Bon, il nous restait une maison à voir. Celle de propriété de Liam. Maman, il est où, papa? Si c'est seulement quelqu'un pouvait retrouver Liam, j'ai tout ce que je sais à propos des pillards.
façon. Un steak long. Je vais prendre quand même. C'était Alliam, je vous le laisse, une pépite d'or. Ok. Bon, j'espère que Liam va bientôt revenir de la chasse. Alors, tiens, table d'enchante. Pas beaucoup de niveau, mais bon. Unbreaking. Protection 1. Ok. Retourner vers cratère. Ah mais ici c'est qui vend des dés. Ça fait cher. Un golden nuggets moi. Tanner, boucherie. Enchantement, la bouffe, allez, on retourne à la cratère. Oh, d'accord, ça a ouvert. Vous venez chercher la pioche, tenez. N'utilisez pas la pioche, il faudrait pas l'abîmer. Oh, great. C'est cool ça. Allez. On va retourner essayer de trouver Liam. Même s'il va bientôt faire nuit. Alors on a toujours un aventurier, il ne va jamais être droit devant. Je ne suis pas vraiment un aventurier. Oh, regardez. Du coup, je trouve. Vous forgez une épée avec ce minerai. Oh 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 oh. J'aimerais savoir est-ce qu'il y avait une entrée, une porte, elle est fermée. Rien d'autre. Je vais défoncer, hein. C'est pas une sortie.
l'énigme à la Perforas. Mais il faudrait déjà trouver par où passer. Ça, c'était à casser. C'est fait. Je veux passer, par où est la sortie? Oh, je déteste ça aussi. Vous cherchez pendant des heures pour trouver par où sortir. Pas passer là. Je peux aller nulle part. Observons. Mais c'est affreux. Je peux vraiment passer par nulle part. Soyons zen. Je n'ai plus de patience. Dégage, connerie de bloc. Toi aussi, dégage. Vous aussi m'a répondu. Je suis vraiment pas passé par le bon côté en fait. Ok. Non, il est pas. Vous avez percé Liam dans la salle, en face. Comment y accéder pour le sauver? Une énigme. Dans un puits de 10 mètres, un escargot portant du bas de ce puits monte de 2 mètres par jour et descend de 1 mètre par nuit. Au bout de combien de jours va-t-il atteindre le haut du puits? Alors 10 mètres. Donc ça fait qu'il monte de 1 mètre, enfin il monte de 2 mètres par jour et il descend de 1 mètre par nuit. Donc il monte de 2 mètres, ensuite il redescend de 1 mètre, ça fait une journée. Il remonte de 2 mètres, il arrive à 3, il redescend de 1, ça fait 2. Techniquement, c'est 9 jours. Oh yeah! Ouais mais moi je veux sauver Liam. Hein. Heureusement que j'étais sur le bord, sinon je serais mort.
Ça, je peux virer. Tranchoir de combat. Et les traces au sol, quelqu'un a est passé récemment. J'arrive, Liam. Avez-vous aussi mal répondu? Aidez-moi à sortir. Merci mille fois, tenez. Tout ce que je sais, c'est que le bateau est accosté sur le continent de Tolva. Je ne sais pas s'il est toujours. Merci encore. Mais de rien. Mais de rien. Allons-en. Non. Bon, ça va faire... Ouh, gentil creeper. Dégage. Il est fini, barrons-nous. Fuyez, pauvre fou. Poulum, 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 poulum. Ouais, je me recasse par là. Allez, sprint. Il est tombé. Bon. Alors descendre par là. Et je prends l'autre côté cette fois-ci. Je peux passer par là en fait. L'intérieur des murailles est complètement vide. L'intrus pourrait très bien se cacher ici, pourtant personne. Personne. Ok. Allez, un. Sprint. C'est clair que c'est désert, les murailles.
moi je suis un petit filou, je veux aller voir ce qui se passe sur les murailles. La vue n'est quand même pas mal ici. Ouais, enfin il y a de l'orage. Comment casser ça? Son épée au moment où il ne faut pas. Passe par un. Ça charge. Bon, les pièces commencent à être un petit peu longs. Je vais juste sur le clocher trouver cette foutue. Du collier. Ah mais, oh mais ma molette qui me troll. Ok, c'était caché ici. J'aurais dû arriver. Ici, ok. Tombez là. Il y a une mystérieuse écriture sur le bijou. Portez-le à l'enchanteresse. Elle pourrait déchiffrer. Elle se trouve à l'extérieur de la ville. Le bijou appartiendrait à un certain Baspar. Bijou de Baspar. Ok. Maintenant c'est de ne pas mourir en tombant. Aïe, ça pique. Alors j'avais une ça, je vais l'enchanter. Oh, sharpness, c'est bon ça. Efficiency, c'est nickel, c'est tout ce que je voulais. Allez, on retourne à l'auberge, on va aller passer la nuit. Vide un petit peu les coffres. Ah mais il fait pas nuit. On met la nuit. Je veux faire dodo. Voilà, on fait dodo. Et voilà, donc les petits amis, on va se quitter là-dessus. On se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao, bye bye.